Le joueur Lionel Messi, donc, comme vous le savez, est au centre d'une nouvelle polémique depuis quelques jours. En effet, il a, au lendemain donc, de la défaite contre le club de Lorient, Lionel Messi s'est envolé en direction de l'Arabie Saoudite pour honorer, je crois, un accord commercial qu'il avait avec les autorités de l'Arabie Saoudite. Seulement, il n'a pas averti son club, ce qui fait qu'aujourd'hui, il encourt donc des sanctions disciplinaires. Il vient donc d'être suspendu pour 2 semaines avec effet immédiat, sans solde, donc il ne sera pas payé. Cela s'apparente donc à une sanction disciplinaire. Et c'est vrai qu'effectivement, selon les textes de la Convention des joueurs de football professionnel, il encourt donc des sanctions graves, puisque c'est une faute, hein, le fait de s'absenter sans justificatif. Aujourd'hui, donc le club, d'après les dernières informations, pourrait ne pas reconduire, si vous voulez, son contrat, puisque il était censé, son contrat donc se termine, je pense, au mois de juin, donc le mois prochain. Donc, avec cette nouvelle affaire, malheureusement, Lionel Messi risque donc de ne plus revenir au Paris Saint-Germain. Voilà. C'est une histoire, si vous voulez, qui se termine mal. Vous savez que Lionel Messi a 36 ans, donc bon, vu son âge, c'est vrai que ça tombe plutôt mal. Bon, Lionel Messi, c'est vrai, n'est pas n'importe qui. Il a eu 7 fois le Ballon d'Or, comme vous le savez. C'est un joueur, voilà, et il vient également d'être sacré champion du monde lors du dernier mondial, donc en 2022. Voilà. Je vous tiens au courant, voilà, suite à cette nouvelle affaire. Et abonnez-vous donc à tous mes réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup.